Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. On le connaît, on le recite, on le partage. Recherchez la paix avec tous. Alors bien sûr, ceux qui sont dans l'écuménisme, ceux qui sont dans la compromission, ceux qui sont dans le sentimentalisme vont vous dire, ils vont vous brandir ce passage-là pour vous obliger à marcher avec eux malgré leur vie de débauche. Mais laissez-moi vous dire ceci, le Seigneur a dit quoi? Écoutez bien, la parole ne se... C'est pour cela que pour enseigner, il faut avoir une vision panoramique. Il ne faut pas seulement prendre des versets ici et là, il faut avoir une vision globale du thème que l'on veut développer. Le Seigneur dit ceci, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Désormais, dans une maison, 5 seront divisés, 2 contre 3, 3 contre 2. Quand il parle de la maison, il parlait d'abord d'Israël, la maison d'Israël. Désormais, votre maison vous sera laissée déserte, disait-il. Parce que vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez comment son passage, partout, semait la division entre les juifs et les pharisiens, tout ça là, entre les sadducéens, il y avait la division à chaque fois. Regardez dans les actes des apôtres, on nous dit à chaque fois, les uns étaient pour les apôtres, les autres pour les juifs. À chaque fois, l'épée qui vient séparer. Lors de la première venue du Messie, n'est-ce pas, il est venu apporter l'épée et non la paix. Parce que la paix sera établie sur terre pendant 1000 ans, lors de sa seconde venue. Et les Écritures nous le disent. Par contre, aux apôtres, à ses disciples, il a dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc le monde nous parle aussi d'une forme de paix. L'ONU. Mais quelle paix? Quand on voit ces casques bleus qui violent des enfants en Afrique, qui violent des femmes, des enfants de 4 ans, 5 ans, quelle paix? Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'est de la RDC, il y a toujours des morts. Plus de 6 millions de morts en moins de 10 ans, alors qu'il y a les casques bleus. Vous voyez que le monde ne peut pas nous apporter la paix. Et Paul dit dans Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Donc lors de sa première venue, Yeshua est venu apporter la paix pour son peuple. La paix du cœur, c'est l'assurance, quelle que soit la persécution. Alléluia. Maintenant, il dit, dans Hébreux 10 ici, Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous, mais dans tout cela, nous avons exclu Dieu. Alors que Dieu est le premier être avec lequel nous sommes censés faire la paix. Être en paix avec Dieu. Si tu es en paix avec Dieu, tu seras forcément en paix avec ceux et celles qui ont la paix avec Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu, ça va être la guerre. D'où la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Alors, la paix avec Dieu, c'est quoi? C'est justement répondre à ses exigences. Je vous dis une chose. Faites tout pour être en paix avec Dieu. Même si vous prêchez, même moi qui vous prêche là, tout le temps, je plie mes genoux, je dis Seigneur, je veux être en paix avec toi. Je ne veux pas des problèmes avec toi. Je préfère être seul, abandonné de tous, même de ma propre famille, et être en paix avec Dieu. Parce que je vois des gens qui étaient en paix avec Dieu hier. Aujourd'hui, je le vois, ils sont plus en paix. Ils sont malheureux. Parce que l'argent ne peut pas te procurer la paix. Les hommes, ta belle femme ne peut pas te procurer la paix. Non. Tes amis qui t'entourent, là, qui te conseillent mal, ne peuvent pas t'apporter la paix. Demain, ils vont t'abandonner. Être en paix avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est marcher selon sa volonté. Marcher selon ce que Dieu dit
et non ce que ta coutume te dit, non ce que ta mère te dit, ou ton père, ou les pasteurs des assemblées par où tu es passé, mais c'est ce que la Bible me dit. Être en paix avec Dieu, mes amis, ça fait partie de la sanctification. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ces exigences. Dieu est, n'est-ce pas, en colère. Ah oui. Regardez, quand Adam a chuté, Dieu est venu. Il a appelé, Adam, où es-tu? Adam a entendu la voix de Dieu. Il dira, j'ai eu peur. Vous voyez la peur? Adam n'était plus en paix avec Dieu. Ah. Il y avait quelque chose qui était brisé. Une relation, une communion brisée, interrompue à cause du péché, à cause de la désobéissance. Adam fuyait Dieu, fuyait la présence de Dieu. Vous avez vu? Vous savez, quand Dieu vient quelque part, sa sainteté est telle que les pécheurs se cachent. On ne peut pas résister. Les premiers qui courent, ce sont les démons. Nous, on le voit quand l'onction vient sur toi. On voit comment les démons se mettent à courir avec. Il y a des gens possédés, ils sortent et courent. Et quand c'est Dieu lui-même. Si Dieu te touche, là, tu vas aller sur ton Facebook enlever tes photos là. Enlève-moi toutes tes photos là. Ceux qui veulent enlever leurs photos de Facebook, enlevez les mains, tout ça. Enlevez-les. Tout de suite là. Ça ne plaît pas à Dieu. Là. Vous êtes mal habillé, vous vous montrez vous-même, tout ça. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Cachez-vous en Dieu. Alléluia. Amen. Dieu. Mes amis, vous avez vu, non? Dimanche dernier, c'était l'enterrement de mon frère, un de mes frères propres. Et Dieu me dit, va annoncer ma parole. Tu laisses les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer ma parole. Dieu est exigeant. On le lit dans la parole. Hein. Un disciple un jour a perdu son père. Il dit au Seigneur, permets que j'aie à ensevelir mon père. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer l'évangile. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je veux t'enlever par une mort soudaine, celle qui fait l'objet de tes désirs de tes yeux. Hein? Je veux t'enlever par une mort soudaine, par une plaie, littéralement, soudaine. Dieu l'a frappée. Elle est morte, cette femme. Et Ézéchiel, le même jour, il se lève et il va proclamer la parole. Et les gens l'ont pris pour un fou. Un jour, il dit à Esaïe, déchausse-toi, enlève tous tes vêtements, marche nu, devant tout le monde. Esaïe, prophète, hein, Esaïe 20, il a marché nu. Dieu! Ah non, mes amis, on vous a présenté quel Dieu, là? Hein? Là, c'est moi qu'on acclame, je ne veux pas de ça. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le Dieu des églises évangéliques en France est un Dieu mort. Un Dieu commerçant. Un Dieu businessman. Quand vous sortez des réunions de séminaires, vous avez des stands là-bas, vous vendez des ouvrages. Hein, vous avez toute une panoplie de choses à acheter. Vous avez à chaque fois dans chaque bâtiment d'église, vous avez des bibliothèques, des librairies, tout ça pour acheter. Commerce! Quoi que vous disiez, je ne cesserai pas de parler. Je vous dis une chose. Comment voulez-vous que je me taise? Parce que c'est quand je lis quelque chose dans la Bible, je le dis. Deuxièmement, je les expérimente ces choses-là. Avec la gratuité, j'ai vu comment les chrétiens ont donné l'argent en moins de 2 ans et demi. Ils ont donné plus de 470 000 euros. On a compté avec David, il m'a fait le bilan. Il a fait le bilan devant toute l'équipe de TV de vie. En moins de 2 ans et demi, 470 000 euros sans la dîme. Comment voulez-vous que j'arrête de prêcher la vérité? Quand je vois toutes ces œuvres, là, frères et sœurs. On a dû dire aux gens, ne donnez plus. Il y a assez. Donc on ne peut pas dire que les gens ne soutiennent pas. Les gens soutiennent. Le problème, c'est qu'on leur a présenté un Dieu médiocre. Un Dieu qui les attend à la sortie pour leur... Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'archange Michael en train de vendre des livres à la sortie d'une réunion?
Ils disent, comment on va faire taire ce monsieur-là? Je veux, ça c'est une parenthèse. Ils sont allés porter plainte contre moi, non? Ils ont dit, j'entretiens des réseaux mafieux. Tout un dossier comme ça, pasteur africain et européen. Ils ont fait une association. J'ai été filé pendant 6 mois. On m'a fait une défilature, tout ça. Je sortais d'Evry pendant les réunions de réveil, je rentrais chez moi. La police a vu que je n'entretiens aucun réseau. Ils sont allés voir sur mon compte, parce que ce n'est pas moi qui gère mon compte, c'est ma femme, un compte joint. Je ne connais pas la couleur de la carte bleue qu'elle gère, tout ça, là, c'est bleu un peu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est elle qui gère. Ils ont vu que chaque mois, il y a au moins 300 euros, au moins 250 euros. Dieu soutient toujours, mais ils ont dit, non, ce monsieur, il n'est pas dedans. Vous allez chercher encore, comme avec Daniel, vous allez chercher encore. Et plus vous allez chercher, plus je veux parler, mes amis, au nom de Yeshua. Parce que nous devons dénoncer Babylone au nom de Jésus. Les boutiques tombent en faillite. Les entreprises familiales, les monarchies, de grand-père au petit-fils. Tout ça là, c'est par, mes amis, par héritage. C'est, tout ça là, pasteur de père en fille, tout ça là, tout ça là, ça va sauter. Les vrais enfants de Dieu vont sortir pour aller vers le Seigneur de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mm-hmm. Je vous ai déjà dit, vous avez affaire à un fou. Un fou. Quoi qu'il vous fassiez, il est fou. Nous sommes fous de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes passionnés de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dis à ton voisin, tu es fou. Voilà. Qui est déjà tombé amoureux ici? Souviens-toi de la première fois que tu es tombé amoureux. Comment tu t'es devenu fou? Quand le téléphone sonnait, tu courais. Ah, c'est elle, c'est lui. C'est ça la folie. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand on est touché par son amour, là, on devient fou. Alléluia. Si on te dit, tais-toi, tu dis, je peux pas me taire. Je ne peux ne pas parler des choses que nous avons vues, que j'ai vues et entendues. Alléluia. Oh, alléluia. Jérémie disait, si je dis, je ne veux plus parler de lui. Mais il y a dans mon cœur, dans mes os, un feu qui est enfermé. Je ne peux que prophétiser. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur va enflammer encore ses guerriers, mes amis, là. Il va enflammer encore ses amoureux, ses passionnés. Ce n'est pas une question d'âge ou de couleur. Je vous dis, même des hommes de 90 ans, 60, 100, 100 ans, 105 ans, 120 ans, ils vont être saisis par l'onction de Dieu pour aller prêcher le retour de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Ouh, je vous dis. Caleb, avec quel âge? Caleb, avec quel âge? 80 ans. Hein? Caleb, 80 ans. Il a dit à Josué, je vais aller conquérir les nations montagneuses là-bas, là, tout ça. Là. Attention. Attention. L'onction n'est pas seulement pour les Africains ou pour les Européens, c'est pour tout le monde. Tous les enfants de Dieu, mes amis, là. Le Saint-Esprit n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni marron, ni bleu, ni chocolat. Il est Dieu. Dieu est esprit. Ouh. Il y a quelque chose ici, hein, comme de l'huile. Hein. Je vous dis, hein, comme de l'huile. Là, c'est juste une parenthèse. Là. C'est quelque chose. Là. Il y a dans mon cœur, là, mes amis. Là. Je vois l'Europe secouer, mes amis. Là. Je vois la France. Mes amis, là. Oh, alléluia. Le feu va. Oh. Ouh. Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut l'en empêcher. Quand Dieu décide de parler, personne ne peut l'en empêcher. Personne. Non, personne. Mon amour. Waouh. Sa gloire. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Je veux t'adorer. Aime-le, 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 aime-le.
Dieu. En Dieu. Vous savez, il est tellement saint. Il est tellement saint. Je pensais le connaître quand j'étais pasteur d'une église de 700 personnes. Je pensais le connaître il y a encore 2 ans quand je vivais les programmes, quand il y avait ce réveil à Évry. Je me rends compte que je ne suis rien, que je ne peux rien, que je n'ai encore rien accompli. Je vous assure, mes amis, personnellement, je me dis, Seigneur, mais qui sommes-nous pour que tu fasses tout ça? Qu'est-ce qu'on a encore accompli? John Wesley a laissé plus de 300 ouvrages. Qu'est-ce qu'on a encore fait pour le Seigneur, mes amis? Les exigences de Dieu. Il est très exigeant. Et il a accompli parfaitement, il a répondu parfaitement aux exigences de sa justice. Œil pour œil, dent pour dent. Tu tues, on te tue. Tu lapides quelqu'un, on doit te lapider. Et Dieu disait aux Hébreux, soyez saints, car je suis saint. Mais c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas l'approcher sans être conçu même par sa sainteté. Même pas sa colère, rien que sa sainteté. C'est pour cela que vous verrez dans Ésaïe 6, il est dit que les anges, les séraphins, se servent de leurs 6 ailes pour pouvoir, 2 pour se protéger, se couvrir les pieds, 2 pour se couvrir la face et 2 pour pouvoir voler. Pourquoi? À cause de sa sainteté. Aucun ange ne peut fixer Dieu comme ça. Non. Non. Ils baissent leur regard. Non. Ils se couvrent, ils se voilent. Tu ne peux pas. Regardez, quand il y a le soleil en plein midi, fixer seulement le soleil, c'est impossible de le fixer. Et rappelez-vous bien qu'Yeshua est le soleil levant. Le soleil levant. C'est impossible que Satan s'approche de Dieu. C'est impossible qu'il le fixe. C'est impossible. Il entrait dans les synagogues, les démons sortaient. Les démons disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Ouh! Ben, il a peur. Attention. Il vient parler à Adam. Le vent est venu dans le jardin d'Éden. Dieu, par le vent, appelle Adam. Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur et je me suis caché. Je me suis caché. Oh! Regardez quand un frère tombe dans un péché, s'il aime le Seigneur, il va éviter les frères et sœurs qui craignent Dieu. Il va éviter l'assemblée des saints. Pourquoi? Le péché, la peur. Satan a peur de Dieu. Les Hébreux disaient à Moïse, on a peur. On a vécu des moments de visitation où Dieu descendait, le bâtiment tremblait. On était plaqué au sol et on tremblait. Les sorciers, on n'avait pas besoin de leur dire, repentez-vous. Non. Je me rappelle un jour, j'étais pasteur. La gloire est venue dans l'assemblée avec plus de 700, 800 personnes. Je me prêtais à prêcher. Dieu me dit, ne prêche pas. Appelle les gens à la conversion. Les gens qui veulent se convertir. Je dis, Seigneur, je n'ai pas prêché. Je dis, ça, c'est dans votre mentalité. Appelle, ma présence est déjà là. Appelle les gens. Quand j'ai fait l'appel, plus de la moitié de l'église était devant. Les gens pleuraient, tombaient par terre, criaient leurs péchés. Les démons sortaient. Il y avait la terreur. Les gens confessaient tous leurs péchés. La grâce. Recherchez la paix avec tous, d'abord avec Dieu. Comment? Par l'humilité. Par la reconnaissance de ses fautes, de ses failles, de sa faiblesse. Seigneur, je reconnais. Seigneur, j'ai reconnu. Seigneur, aide-moi. Et Dieu dit, et la sanctification. Sanctification, saint,
sainteté, consécration, être mis à part, séparation, l'émondage. Dans la sanctification, il y a la notion de la solitude. La solitude, Dieu peut t'imposer la solitude pendant quelques temps. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il te veut seul, seul à seul, pour pouvoir te travailler. La sanctification, il est dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, vous savez, beaucoup veulent voir le Seigneur. Seigneur, je veux te voir dans ma vie, dans mon service, dans mon ministère. Je veux te voir dans mon couple. Mais frères et sœurs, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Et là, ils vont vous dire, mais oui, il faut faire 3 heures de prière par jour. C'est faux. C'est faux. Oh, il faut jeûner tout le temps, tout le temps. Le jeûne est biblique, mais ce n'est pas tes prières et tes jeûnes qui vont faire que Dieu va se glorifier. Non. Dieu se glorifie parce qu'il est Dieu. Dieu se glorifie parce qu'il veut se glorifier. La prière, les jeûnes, ça, ce sont les conséquences de l'obéissance. On obéit au Seigneur parce qu'il veut qu'on l'adore, parce qu'il veut qu'on prie. Mais Dieu agit quand il a créé le monde. Est-ce qu'on était là? Quand il a dit que les cieux soient créés, tout ça là, est-ce qu'on avait jeûné? Voilà. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il a créé les animaux, il a créé ce jardin d'Éden, aucun homme n'avait jeûné. Dieu est le créateur, il a créé les choses alors qu'on n'était pas là, il a décidé d'agir alors qu'on n'était pas encore créé. Qui sommes-nous pour pouvoir, n'est-ce pas, par nos prières, faire bouger la main de Dieu comme beaucoup de gens le disent? Ah non, mes amis. Dieu agit quand nous prions parce que nous obéissons. Il vient, il te dit, prie. Tu obéis? Dieu agit. C'est l'obéissance. Alléluia. Et comme il est dit, prions sans cesse, donc on doit prier tout le temps. Dieu est saint. Vous savez, regardez, dans la Bible, les 7 fils de Séva, vous connaissez cette histoire, non? Ils ont pris un homme possédé, ils l'ont amené quelque part. Parce qu'ils ont vu Paul le faire. Ils ont commencé à prier pour cet homme. Au nom de Yeshua, que Paul prêche, démons sortez. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, démon sortez. On connaît la suite, n'est-ce pas? Voilà. Ce démon a dit quoi? Je connais Paul. Jésus, je sais qui est Jésus. On était là-haut quand il nous a chassés. Mais vous, qui êtes? Vous. Et quel est le CV que ces hommes avaient? Ils avaient un CV. Hein? Notre père est grand prêtre. Ils étaient tous lévites. Ils étaient 7. Le démon a dû dire, oui, mais votre père est prêtre, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Le régime a changé pratiquement là. Hein? Vous invoquez une puissance à laquelle vous êtes étranger. Voilà. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas expérimenté la sainteté de Dieu. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est Dieu qui vient par son sang, qui est pur. Il trouve un pécheur. Il le nettoie. Il le sanctifie, il le brise, il le transforme, il le métamorphose et il lui dit, va. Le pécheur ainsi justifié, il ne va plus en son propre nom. Il marche dans la justice de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc les choses qui se passent dans nos vies, ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Non. Il est dit dans Genèse 6, la terre était corrompue. Tous les humains avaient corrompu leur conduite sur terre. Et la Bible dit, Noé était un homme intègre et juste. Pourquoi? La suite dit, Noé trouva grâce. Vous voyez que Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Noé trouva grâce. Vous vous rendez compte? Si Noé était intègre, s'il était juste, c'est tout simplement parce que c'était la grâce. Hein, la justice, l'intégrité sont les conséquences de la grâce de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et Dieu veut des hommes intègres, des femmes intègres. Et je vous assure,
C'est rare d'en trouver aujourd'hui. Il y en a, mais très rare. Dans la sanctification, dans la notion de la sanctification, il y a la souffrance. Dans ma marche avec le Seigneur, à chaque fois que je pensais que j'avais compris quelque chose, il venait et il me brisait. Je pleurais, je m'enfermais, je disais au Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, c'est dur. Je voulais négocier avec le Seigneur. Il me disait, non, il n'y a pas de négociation avec moi. Non. Je me rappelle quand il m'a donné cette vision de cette montagne que je devais escalader. Je l'ai escaladé difficilement, j'arrive au sommet. Et avec la gloire de Dieu, le Seigneur était là. Et je lui ai dit, Seigneur, moi je veux rester ici, je veux rester ici, je ne veux plus redescendre. Il me dit, il m'a montré une chaîne de montagne. Il m'a dit, tu dois redescendre et escalader de nouveau à chaque fois. Je lui ai dit, non, c'est trop dur. Il me dit, si tu restes ici, moi je continue. Je lui ai dit, non, je te suis. Et c'est ça la marche chrétienne. Vous avez vu? Regardez. Tu arrives au sommet, c'est la gloire, un peu de succès. Tout le monde te voit. Ensuite, tu redescends. Voyez? Et là, dans les creux, à chaque fois, là, c'est des temps d'intimité où il te brise, où il te cache, il te blesse pour pouvoir te guérir, où tu pleures, où personne ne te voit quand tu gémis. Tu es sous ton ventre dans ta maison, tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer, où tout le monde te critique, tu ne comprends rien alors que tu n'as rien fait. Hein? Dans ce creux, là, il tape le creux de la main de Yahweh. Vous vous rappelez, non? Je te meuterai dans le creux du rocher. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc là, dans le rocher, là, tu es caché. Et là, il te révèle tes failles. Tu te mets à dire, Seigneur, mais moi, je suis un prédicateur. Comment je peux avoir telle faille? Il dit, voilà tes failles. C'est pour cela que je veux dire une chose. Ma sœur, s'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que les autres, à part le Seigneur, c'est ton mari. Donc, si ton mari dit que tu as des problèmes, ah, je t'assure. Ma sœur, c'est pareil. Mon frère, c'est pareil. Celui qui te connaît mieux que tout le monde, c'est ta femme. Parce qu'elle mange avec toi, elle dort avec toi. Elle te connaît mieux que personne. Et si ta femme te dit, chérie, tu as un problème là. C'est vrai que j'ai un problème, chérie. Parce que si tu dis, chérie, non, c'est faux. Là, tu provoques la colère de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas tout le temps nous briser. Le problème, s'il nous brise pour nous sanctifier, c'est parce que nous résistons. Alléluia. Dieu dit, je résiste à ceux qui me résistent. Il passe par ta femme, il dit, chérie, elle te dit, chérie, là, regarde tel souci. Ok, Seigneur, aide-moi. Alors, chérie, aide-moi. Dis-moi toutes les vérités. Moi, je dis à ma femme, dis-moi toutes les vérités. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est toi. Elle le fait. Et tu tends l'oreille, c'est important. Mais si tu résistes, quand Dieu va commencer à t'entamer parce qu'il t'aime, Dieu ne va pas nous perdre. Hein? Et vous savez ce qu'il peut faire quand c'est comme ça? Il t'amène au sommet et il te déshabille. Et tout le monde va ta nudité. Waouh! La honte. Mais il est amour. Il ne va pas t'abandonner si tu demandes de l'aide. Il te rattrape. C'est pour cela tel que je suis le frère. Quand j'ai enseigné des fausses doctrines à l'époque, dîmes, tout ça, là, je me suis tenu devant les frères et sœurs. Hein? Je leur ai dit, j'ai enseigné ça, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Parce que je préfère moi-même me descendre. Parce que si Dieu te descend, c'est pour cela, va toi-même ce soir, tout à l'heure, là, va enlever tes photos toi-même. Tu enlèves, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je veux me sanctifier, tout ça là. Alléluia! Prends ton téléphone, appelle ta petite amie avec qui tu te masturbes sur Internet. Toi-même, règle tes affaires. Paul dit quoi? Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens 11:31. Ah oui. Frère, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui peut bien nous briser, c'est Dieu. Mais comment il me brise là? Pourquoi vous imaginez, hein? Je ne vais pas tout dire. Hein? Tu perds ton père, il te dit va prêcher la parole. Tu perds ta mère, le jour de l'enterrement, il dit va au Canada. Tu perds ton frère, il dit va prêcher la parole. Frère, vous savez tout ça pourquoi? Oh frère, on veut l'onction. Et vous savez le prix que tu payes là?
La sanctification. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer que Dieu va arrêter. Alléluia. Qui souffre ici? Parfois, on a l'impression que quand on a 70 ans, c'est bon, on a tout compris. Et Dieu dit, c'est que maintenant que tu viens de commencer. Rappelez-vous bien que nous avons affaire à quelqu'un qui est éternel. Il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Donc, pour te sanctifier, il te prend. Il sait que nous sommes dans les sentiments. Hein? Nos cœurs sont attachés les uns aux autres, tout ça là. Et Dieu vient, il te dit, lâche tout, suis-moi. Regardez les apôtres, dans Luc 5. Ils ont travaillé toute la nuit, n'est-ce pas? Aucun poisson. Ah, rien. De 19h à 6h du matin. Et le Seigneur se pointe. Bonjour les enfants. N'avez-vous rien à manger? Non, personne l'a remarqué. Hein? Tellement qu'ils étaient fatigués. Il leur dit, jetez ici, un peu plus loin. Ils jettent leur filet. Ouais. Dieu te pardonne. Ils jettent leur filet ailleurs. Et plein de poissons. Et vous savez quoi? La Bible dit qu'ils ont tout laissé. Ils laissèrent tout. Et ils le suivirent. Tu as travaillé toute ta vie pour avoir ton diplôme. Maintenant que tu l'as comme ça, Dieu dit, ce n'est pas ce travail-là que je veux pour toi. Mais Seigneur, il y a un problème là. Alléluia. Attends, ta Seigneur, toute ma vie, je l'ai passé là-dedans. Il dit, ben oui, je sais. Jusqu'à quel point m'aimes-tu? Écoutez, je dirige une assemblée de 700 personnes. J'avais un grand bureau, j'étais content d'être le pasteur de tous ces frères et sœurs. Chaque dimanche matin, je voyais tout ce monde, il y avait plus de monde que ça. Hein? Beaucoup de monde. Et Dieu se sert du maire de la ville de Draveil, Georges Tron, pour nous mettre dehors en plein hiver. Est-ce que Dieu ne me connaissait pas? Si, il me connaît. Est-ce que je ne priais pas? Si, je priais. Est-ce que je ne jeûnais pas? Je jeûnais. Est-ce qu'il ne savait pas que c'était l'hiver? Si, il le savait. Est-ce qu'il n'est pas tout puissant? Si, il est tout puissant. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Il incline où il veut. C'est écrit dans la Bible, Proverbe 21:1. C'est écrit. Mais Dieu a dit à ce monsieur, chasse-les. Pourquoi? Parce que Dieu voyait ce réveil. Et moi, je voulais rester dans mon bâtiment. Oh, j'aime ici. J'aime mes frères et sœurs. La sanctification. De gloire en gloire. Dehors. Eh ben, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme prière? Hein? On a pris l'huile d'onction. On est allé poindre tous les carrefours de la ville. À l'époque, on était encore immature. On a prophétisé. Tout lieu où foule la plante de pied, tu le donnes. On prend la ville. On prend la ville. Je dis, c'est fini de travail. Alléluia. Prière ou pas, Dieu fait ce qu'il veut. Tiens, ton voisin, il est souverain. Et beaucoup m'ont lâché. Hein. Beaucoup de frères et sœurs ont commencé à dire, non, Dieu n'est plus avec nous, on a perdu l'église. On a fermé l'église. Alors que l'église du Seigneur, on ne peut pas la fermer. Oh, chrétien. La sanctification? Dieu te sépare des choses que tu aimes. Tu aimes le ministère, il ferme le ministère. Tu aimes ton appel plus que lui, il ferme ça. Même les enfants, le Seigneur l'a dit, hein, il ferme. Les amis, pareil. Oh, j'aimais beaucoup mes collaborateurs pasteurs à l'époque, hein, mais je commençais à les aimer plus que Dieu. Et Dieu dit, je veux t'en séparer. On a reçu des prophéties, non?
Dieu va te séparer. Dieu, on disait, mais ça va être juste celui-là parce qu'il est bizarre. Juste celui-là. Mais quand Dieu a commencé à entamer les gens qui étaient vraiment proches, je dis, oh là, il y a un problème là. Au point, je me retrouve seul. Je dis, mais il y a un problème, Seigneur. Mais celui-là aussi, il dit, celui-là aussi. Mais Seigneur, je vais négocier pour l'autre. Il dit, non, non. Sanctification. Dieu prend Paul. Il le met en prison 2 ans à Césarée. La Bible dit qu'on l'a oublié à Césarée. Pourtant, Dieu l'avait appelé. Est-ce que tu as déjà fait la prison ici? Si c'est le cas, on va dire non, Dieu ne peut avec lui. Dieu t'appelle, viens. Ah non, je n'ai pas le temps. Dieu peut permettre une maladie incurable de te frapper. Je vous dis, juste pour que tu sois humble, que tu apprennes l'humilité, que tu apprennes que tu es zéro, que tu es nul, que tu ne vaux rien. Un jeune homme est venu me voir hier, un jeune français, 16 ans, jeune garçon, jeune homme, invité par une autre jeune sœur française qui est touchée par le message, qui a 16 ans aussi. Elle dit à son ami, viens, on va aller partager un peu la parole avec cet homme. Donc elle a pris rendez-vous avec moi, on s'est vu hier. Je parlais avec ce jeune homme. On discutait et puis à la fin, il me dit, moi, Dieu ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je lui dis, ben écoute, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Il dit, moi, je suis heureux. Ok. Et le Seigneur m'a dit de lui dire ceci. Je lui dis, écoute, quand on est dans l'avion, on est dans un avion et qu'on rentre dans une zone de turbulence. Je me rappelle une fois, j'étais comme ça avec des gens, je partageais la parole dans l'avion, et ils me disaient, non, Dieu, ça ne nous intéresse pas, on connaît, Dieu n'existait pas. Et quand on est rentré dans une zone de turbulence et que l'avion commençait à être secoué, les mêmes ont commencé à crier, mon Dieu, mon Dieu. Il y en a, ils ont commencé, ils se sont rappelés la prière de Ave Maria. Hein? Tout ça là. Hein? Ave, je vous salue Marie, pardon. Je vous salue Marie, mère de je ne sais pas quoi là, tout ça là. Une prière inventée par les cathos. Voilà. Et moi j'étais là, je rigolais. Bien sûr que j'étais aussi quand même, ça me secoue aussi quand même parce que, faut être honnête. Mais je regardais, je disais là, Dieu existe maintenant là. Et quand je lui ai dit ça, il a reconnu. Il a reconnu. Il a reconnu qu'effectivement Dieu existe. Dieu, lorsque tu commences à comprendre, lorsque tu penses, regardez Élie, il a remporté une grande victoire avec les prophètes de Baal, contre les prophètes de Baal. 850 faux prophètes. Élie a remporté une grande victoire. Et Élie croyait être mieux que ses pères. Hein? Il croyait qu'il était meilleur que ses pères. C'est ce qu'il pensait. Il a dit lui-même. Hein? Élie était, oh, quelle victoire, quel programme, tout ça, quelle onction, quelle autorité, quelle parole! Et Dieu se sert d'une femme, Jézabel. Dis à ton voisin, il y a une femme. Il y a femme et femme. Hein. Il y en a qui sont vraiment remplies. Hein. Des choses bizarres. Alléluia. Il n'y a pas que les femmes hein, qui sont remplies. Ces femmes-là, il y a aussi des hommes qui sont remplis. Parce qu'il faut toujours l'équilibre. Hein. Maintenant, parce que sinon... Frères et sœurs, une femme dit à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain ta tête n'est pas coupée. La Bible dit qu'Élie a pris ses jambes à son cou. Il a couru. Il a dit à son serviteur, reste ici parce que chacun pour soi. Alléluia. Là, c'est une affaire de vie et de mort. Il court. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? C'est une question que Dieu pose à certaines personnes ici. Que fais-tu là où tu es? Élie dit à Dieu, oh, la mort m'est préférable à la vie. Je ne suis pas mieux que mes pères. Élie avait oublié que s'il avait remporté cette victoire, ce n'était pas à cause, mes amis, de sa sainteté. C'était à cause de la grâce de Dieu. Les exigences de la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce, la croix. Il a tout accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Tout est accompli, tout. Ça veut dire quoi? Si tu veux marcher dans la sanctification, c'est possible. Si tu veux arrêter la cigarette, c'est possible. Si tu veux arrêter avec l'orgueil, c'est possible. Tu veux marquer ta génération. Tu veux te sanctifier. Tu ne veux plus convoiter. C'est possible. Alors comment faire? Tout est possible. Tout est possible. Je vous dis, un homme veut me voir pour la prière. Je lui dis, va, c'est réglé. Il avait un cancer de prostate. Il me dit, mais non, c'est réglé.
Il refait encore le tour, il revient encore. Je lui dis, mais attends, mais je vois encore sa tête, je lui dis, mais je t'ai déjà vu. C'est réglé, tu peux y aller, c'est bon. Il est allé faire des examens, il n'y avait plus de prostate. Fini. Plus de cancer. C'est possible. Le problème, c'est la grâce. Nous, frères, c'est la grâce. Tout ce monde que Dieu attire à chaque fois de plus en plus. C'est quoi là? Vous pensez parce que je jeûne beaucoup? Vous pensez parce que je passe toute la nuit en prière? Oui, il faut prier. Mais ce n'est pas d'abord ça. C'est la grâce. Le Seigneur a tout fait. Il a tout fait parfaitement. Et tout ce qu'il nous demande pour nous sanctifier, c'est l'obéissance. Tu viens, tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai des problèmes. Je reconnais que je suis faillible. Si tu ne reconnais pas ton état, Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension supérieure, c'est impossible. Parce que Dieu nous conduit de gloire en gloire. Seigneur, je reconnais. Si tu as un problème avec la pornographie, vous savez, parfois il faut le dire publiquement. Là oui. Ceux qui confessaient leur péché dans Acte 19 le faisaient publiquement. Voilà. Seigneur, je viens déclarer publiquement que j'ai un problème. Seigneur, je viens crucifier ce problème aujourd'hui. Je ne veux plus de ce problème parce que je vais aller au ciel. Et si on résiste pour nous purifier, nous sanctifier, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, Dieu envoie la persécution. Ah oui. La persécution. Et je vous assure, ça fait mal. Au travers de la calomnie, au travers, n'est-ce pas, des outrages, Dieu nous garde dans l'humilité. Dieu, n'est-ce pas, nous maintient dans sa présence. Ça fait mal, hein? On t'accuse faussement. Tu n'as rien fait pourtant, on t'accuse. Et ça fait mal, ça blesse. Parfois on se dit, je ne veux plus, on ne veut plus voir les gens. Je ne veux plus fréquenter telle personne. Seigneur, je ne veux plus, je veux rester seul dans mon coin. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et je veux vous dire une chose. Parfois, nous ne connaissons pas nous-mêmes. C'est quand Dieu nous met face à l'adversité. Quand Dieu révèle l'état de nos cœurs, il nous met devant une situation difficile. Et là, ben, on réagit de manière tout à fait inattendue. Et là, on se dit, c'est moi qui ai fait ça. Et Dieu dit, oui, mais c'est ça ton cœur. Ton cœur est comme ça. Et parfois, on a honte. On dit, oh là là, Seigneur, mais comment ai-je pu faire une telle chose, dire telle chose? C'est comme ça, ne te cache pas. C'est comme ça que tu es, c'est comme ça que je suis. Seigneur, soutiens-moi. Frères et sœurs, priez pour moi. Soutenez-moi. Nous avons hérité d'Adam et Ève la justification. On veut toujours se justifier. Non, mais tu sais, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là. Tu sais, c'est pas. Mais Dieu sait que c'est comme ça que nous sommes. Il prend son épée, il taille. Il nous taille en profondeur. On pleure, on pleure, on pleure, on gémit. Dieu va encore en profondeur. Il sait que tu ne vas pas mourir. Je sais que parfois dans vos couples, parfois c'est difficile. Mais je sais seulement une chose. Chrétiens, frères et sœurs, par ma propre expérience, je ne veux pas tout détailler ici. Je sais seulement une chose. Celui qui a des conflits, des problèmes dans son couple, enfant de Dieu, j'entends par là, toi qui aimes Jésus, toi qui aimes le Seigneur, si tu divorces, alors que la Bible te dit de ne pas le faire, tu échoueras. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma sœur. C'est l'échec total. Parce que tes problèmes, au travers de tes combats, il y a toujours une raison, il y a toujours un. Dieu sait toujours pourquoi il permet cela. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'ai formé mon fils, Yeshua, homme, pendant 30 ans, pour un service public de 3 ans. Pendant 30 ans, Jésus-Christ, homme, était dans la formation, était en train de travailler par le Père. 30 ans. 10 ans de formation, de brisement, dans le secret,
pour un an de ministère public. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, quand le Seigneur a, pendant qu'il exerçait son service devant les hommes et les femmes, pendant 3 ans, tout le monde le voyait, guérison, miracle. Beaucoup n'ont pas vu qu'il a un arrière-plan, hein, n'est-ce pas? Il a subi une formation de 30 ans dans le secret. Personne ne voyait cela. Dans le secret avec le Père. C'est pour cela, je constatais une chose. Paul a si bien dit. Quand les nouveaux convertis ou des jeunes, si on les élève rapidement, on leur donne des titres, on les tue. Moi, je me suis rendu compte de cela, je me suis repenti devant Dieu parce que je n'avais pas cette connaissance-là. Les gens avaient des grâces, je suis venu, dit, bon, toi, t'es apôtre, toi, t'es... Eh bien, ça les a tués. Complètement. Ils sont devenus comme ça. Apôtres de région. Et un apôtre qui se mélange. Hein? Apôtre des Aïrois, oui. Et encore, ce n'est pas de tous les Aïrois, tous les Congolais. Il y a des problèmes, hein? Apôtre des Belges, oui. Mais il n'y a pas tous les Belges. Vous voyez, on a des problèmes. Paul dit, il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Pourquoi? Parce que le nouveau converti n'est pas encore assez perfectionné. Travailler. La grâce peut se manifester. L'onction peut se manifester. Mais cela ne dit pas que la personne est perfectionnée par le Seigneur encore. Non. Parce que la grâce, Dieu la donne comme ça. Mais il faut du caractère. Il faut le caractère de Christ. C'est-à-dire l'intégrité. Moi, je me suis rendu compte à Paris, quand Dieu nous a donné cet argent-là, 470 000 euros en moins de 2 ans et demi, il y a même des pasteurs que j'ai formés à Paris. Ils commencent à parler entre eux, non, l'argent est amené, puis les apôtres font qu'on partage cet argent-là. Je leur ai dit, si vous continuez comme ça, je veux citer vos noms sur TV de vie, je veux vous dénoncer comme les autres. Vous voyez le caractère. Ils ne peuvent pas, quand ils voient l'argent, ils sont excités. Alors que celui qui est brisé, celui qui est perfectionné, quand bien il voit des millions, il s'en moque, il s'en fiche. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est que du papier. La perfection. Dieu veut perfectionner ses enfants. Soyez parfaits. Le Seigneur disait. Il disait quoi? Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Il a dit, Jésus, c'est de la bouche de Jésus. Il dit aux apôtres, soyez parfaits. Et si votre justice n'est pas au-dessus de celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Et humainement parlant, c'est impossible. Alors Dieu vient, il donne son sang à la croix et il nous prend. La grâce, c'est Dieu vient, il te prend avec lui. Et il marche avec toi, il marche à tes côtés et tout au long de ta marche, eh bien, s'il y a de la mauvaise compagnie, Dieu t'en sépare. Ça fait mal, mais il t'en sépare. Il faut accepter certaines séparations. C'est le mondage, Jean 15. Pour porter encore plus de fruits, il doit nous émonder, nous séparer des amis de longue date. Les gens voient tous ces fruits, ils disent, frère, c'est quoi ton secret? Mais vous savez le nombre de personnes qui étaient autour de moi que le Seigneur a enlevé, le nombre de personnes que le Seigneur a retirées. Mais c'est impressionnant. Des gens avec qui on a dormi ensemble, on a mangé ensemble, on a voyagé ensemble, on a vécu de belles choses. Dieu vient, il dit, vous n'avez plus la même vision. La vision que je te donnais est en train d'évoluer. Eux, ils ne veulent pas évoluer. Ils veulent garder leur vision. Ils veulent manger. Ils veulent autre chose. Moi, je veux t'amener ailleurs. Je veux toucher les blancs, les européens, les noirs, les marrons. Je veux toucher les nations. Eux, ils veulent rester communautaires. Je veux t'amener ailleurs. Alors, sors de là. Je ne voulais pas. Dieu m'a brisé. Il brise. Des clashs. Des scandales. Tout le monde disait, mais c'est comment? C'est comme ça, c'est biblique. Parce qu'il fallait que tu sois arraché du feu. La sanctification. Pas de sentiment. Parce que Dieu voyait quoi? Dieu voyait cette révision de la Bible, mais ce n'est pas fini. Parce qu'on va en imprimer plein d'autres encore. Ce n'est pas fini. Mais si avec 470 000 euros, les gens se battent pour l'argent, mais quand Dieu va donner des millions pour aider encore davantage les orphelins, les veuves, on va faire comment? Dieu voyait ces orphelinats aujourd'hui. Il y a même un orphelinat au Mexique. On envoie l'argent là-bas chaque mois. Dieu voyait tout ça. L'Amérique latine, c'est le commencement. Mais là, des gens voyaient autre chose. Ils voyaient seulement dans leur communauté. Dieu voit son peuple dans le monde. Et Dieu fait quoi? C'est quand c'est comme ça, il t'enlève de là. Il te brise. Si tu ne veux pas, il peut te tuer physiquement. Il prend cette onction, il la donne à quelqu'un d'autre. Qui va plus obéir. Ah oui.
les exigences de Dieu. Dieu, quand il t'appelle, il te voit dans le futur. Dieu te voit tel que tu seras demain. D'accord? Et toi, tu te vois tel que tu es présentement, mais Dieu te voit tel que tu seras demain. C'est pour cela qu'il nous appelle. Parce qu'il a déjà tout accompli. Dans sa pensée, nous sommes déjà dans la perfection. Et c'est pour cela que quand il vient nous trouver, il nous amène vers cette perfection-là. C'est pour cela qu'on parle de la marche chrétienne. Nous marchons de progrès en progrès. Dieu te conduit. Il va doucement parce qu'il est amour, mais il nous travaille. Moi, quand je vois des prédicateurs qui dirigent les assemblées, quand Dieu vient, il leur dit, quittez vos églises locales, allez ailleurs. Les gens se disent, mais oui, mais comment on va faire? Sans église locale, on fait comment? Sans se rendre compte, ils ont remplacé Dieu par les églises locales. Voilà. Et Dieu passe, il reste. Un jour, Dieu m'a dit par une sœur, et c'était vraiment le Seigneur qui me parlait. Le Seigneur m'a dit, cette sœur m'a appelé. Dieu lui disait, si tu continues dans les sentiments, j'arrête ton service, ton ministère. J'ai compris que j'ai senti la mort venir ce jour-là. Parce qu'on était encore dans les histoires de papa, maman spirituelle, tout ça là. Ah, ma fille spirituelle. Et tu vois les gens qui sont mélangés, qui ne veulent pas de la vérité. Et comme vous êtes habitués, j'ai plié mes genoux ce jour-là dans ma cuisine. J'ai pleuré comme une madeleine. L'obéissance. Dieu est exigeant. Il est saint et il exige de toi la sainteté. Il est amour. Il exige de nous l'amour. L'amour, c'est quoi? Ce n'est pas le sentimentalisme. L'amour n'a rien avec le sentiment. L'amour, c'est la personne de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour, on nous dit 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Et c'est quoi cet amour? Cet amour veut que, eh ben, si tu entends la vérité, tu vas l'aimer. Et cet amour te pousse à aimer Dieu, à aimer d'abord Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le plus grand de tous les commandements et c'est le premier commandement. C'est ça l'exigence de Dieu. Dieu veut que tu l'aimes pour ne pas tomber. Vous savez, c'est quoi la solution? C'est d'aimer Dieu. Comment faire pour aimer Dieu? Tu ne peux pas l'aimer de toi-même, de moi-même. Demande à Dieu de te faire grâce. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Si tu aimes Dieu, quel que soit l'argent que tu verras, quelle que soit la somme d'argent qui sera devant toi, tu ne vas pas céder. Une femme à Évry, guérie par le Seigneur d'un cancer, hein? Elle est allée à sa banque, elle a retiré 15 000 euros. 15 000 euros. C'était ça dans le roi. C'était 10 000 euros ou 15 000 euros. 15 000 euros. Qui c'est qu'elle avait reçu cet argent? David. C'est toi qui veux me voir, non? C'est David. Laurent veut me voir avec cette enveloppe-là, énorme comme ça. Il me dit, voilà, cette femme, elle était venue ici, elle était malade, Dieu l'a guérie, et elle est reconnaissante envers le Seigneur, elle est venue donner 15 000 euros. Waouh! Jamais vu une enveloppe avec autant d'argent. Je lui dis, frère, je dis ça, moi, je ne regarde pas là bien comme il faut là-dedans, là. Prenez ça, allez mettre ça sur le compte de TV de vie. On n'y touche pas. Parce que si tu touches à cet argent, tu vends ton onction. Ah non, parce que ce n'est pas moi qui l'ai guéri. Alléluia. Un autre couple envoie un chèque par la poste de 40 000 euros. On a ouvert la boîte aux lettres comme ça. Chèque 40 000 euros. Je dis à David, compte. Vite, fais sur le compte. Vite, fais sur le compte. Vite. Tous. Une femme envoie un enveloppe comme ça de 50, je ne sais plus combien là, a commencé à m'envoyer par mois 270 euros. Mais en même temps, elle commençait à me faire la cour. Je dis non, je ne prends pas son argent là. Non, elle m'envoie ses photos, elle me parle de son chat, tout ça là. Je m'en fiche, si tu m'entends ce matin là. Je ne veux pas de toi, je vais aller au ciel. Alléluia! Frère, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Dis à ton voisin, ne tombe pas. Voilà. On va finir bientôt, vous inquiétez pas.
Alléluia. Qui aime la parole ici? Ah oui. Et lui, David, je n'ai pas de salaire, mais je ne veux pas voir, je ne veux pas recevoir son. On renvoie ce chèque-là. Quand ça vient, on renvoie comme ça. Et quand on renvoie son chèque, elle nous le renvoie encore. Je dis, vraiment, il y a un problème ici, là. Dieu est exigeant. Dieu dit, tu ne touches pas cet argent-là. Mais Seigneur, les enfants là-bas, ils disent, tu ne touches pas. Et parce que tu l'aimes, tu ne touches pas. Ah non. Dieu est exigeant. Dieu, frère, je vous dis une chose. Dieu est très exigeant. Je donne un conseil aux jeunes prédicateurs, s'il vous plaît. J'aimerais vous voir aller encore plus loin avec Dieu. L'argent, là, c'est compliqué. Je pars en Suisse prêcher l'évangile. Une femme vient comme ça, la soeur qui nous a invités, elle donne une enveloppe de 1400 euros. Je dis, ben, que Dieu soit béni. La nuit même, un frère qui était là, j'ai eu un songe, je l'ai vu dans ce songe. Il me dit, ah, l'argent qu'on t'a donné là, vraiment, c'est pour avoir l'onction. Je dis, oulolo, là, je me réveille comme ça, Dieu dit, tu ne touches pas même un euro. Tu envoies ça aux orphelins, tu envoies ça aux pauvres. J'ai appelé un frère au Gabon, je dis, les orphelins là-bas, ils n'ont pas à manger. Oh non, tac, on envoie l'argent. À Kinshasa, les prisonniers, tac, on envoie là-bas. J'avais une telle paix. Frère, je chantais, hein? Alléluia. Poche vide, hein? Mais mon cœur rempli du Saint-Esprit. Je chantais, j'adorais Dieu parce que. Ah! Alléluia! Tu pars au Gabon, un frère vient te voir à l'aéroport. Il donne une enveloppe de 500 euros. Dieu, tu ne touches pas cet argent-là. Frère, ça chauffait comme ça là. Je dis, je ne veux pas l'utiliser, je ne veux pas l'utiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sentais l'esprit en toi te dire, tu ne touches pas cet argent. J'ai appelé quelqu'un en Angola, c'est pour toi. Dieu est exigeant, il veille sur toi, il veille sur nous. Hein? Vous avez affaire à quel Dieu? Frère, il nous regarde. Hein? Il nous regarde. Une belle femme passe devant toi. Tu sens que Dieu est en train de te regarder. Les anges te regardent. Et tu es là, tu es en prière. Hein? Alléluia, 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 amen. Seigneur, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Tu es là, la pression qui vient. Les gens pensent que parce qu'il y a l'onction, on n'est plus humain. Je ne suis pas un ange, frère. Dis à ton voisin, il a un cœur comme toi. Alléluia. Tu es là, la pression. On t'appelle, on te dit, voilà, un tel a fait une vidéo contre toi. Et un tel, ça part de blocs contre toi. Tu vois ce que je fais? Tu pries. Parfois, tu prends tes baskets, là, tout ça, là, tu mets tes baskets, tu mets ton jogging. Tu dis, bon, je vais courir un peu, faire du footing. Et tu es en train de courir dans un champ là-bas, là, vers l'enjumeau. Avec ton Walkman, tout ça. On dit, oh, c'est la vie. Oh, il court aussi, frère. Alléluia. Dis à ton voisin, la pression. On dit, mais c'est le prédicateur, là, il court aussi, frère. Tu croises aussi l'autre coureur, tu dis, ah, ouais. Ah oui? Dieu, regarde. Tu rentres dans une mission, tu es fatigué. Tu te couches vers 23 heures. 20 minutes après, il te réveille. Tu sens qu'il n'y a plus de sommeil. Alors beaucoup vont commencer à prier, à chercher les apôtres. Ah, priez pour moi parce qu'on a plus, on a des insomnies. Non, ce ne sont pas les démons. Il ne faut pas voir les démons tout le temps. Dieu qui veut que tu pries. Tu te réveilles comme ça, il dit prie. Je me rendors. Et quelqu'un, tu sens quelqu'un vient, il prend ta main. Il te tire. Ouah! Il te sort du lit. Ouah! Tu te lèves brusquement comme ça. Tu vas prier. Ah, ok. Tu pries une heure, deux heures. Tu vas te coucher une heure, il te réveille encore. Et le lendemain, quelqu'un te dit, tu sais, à 3h du matin, j'étais combattu par telle chose. Et tu comprends, ouah, pourquoi Dieu voulait que je prie. Dieu est exigeant. Même ta manière de t'habiller. Tu veux mettre tes choses serrées, il te dit, regarde. Va te regarder dans une glace. Dieu ne te parle pas. Toi, quand tu mets un décolleté profond comme ça, on voit ton... Mais c'est pas possible, ça, quand même. Chrétienne, femme de Dieu. Attends, il y a un problème. Hein? Caleçon serré, on voit ton... Oh, quand même, il y a un problème, là, mes amis. Là. Il y a un problème, jeune fille. Alléluia. Quand on dit ça, ils sont légalistes, là-bas, on légalise. Hein? Je comprends pourquoi toi, tu divorces à chaque fois comme ça. Là.
Voilà, tu es tellement dans la grâce que tu peux divorcer à tout moment. Ah non, il est exigeant. Très exigeant. Qui a du mal à obéir au Seigneur? Alors, vous qui avez du mal à obéir au Seigneur, ce n'est pas pour vous condamner, mais si le Seigneur revient là, vous ne partirez pas. Imaginez la mort vous surprend là. Où iriez-vous? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est écrit. L'obéissance. Vous savez, un des secrets que Dieu m'a révélé pour aller plus loin avec lui, pour que des gens viennent de partout comme ça, attirés, guéris par le Seigneur, convertis, c'est l'obéissance. Ça coûte cher, oui, mais l'obéissance. À chaque fois que Dieu me révèle quelque chose, à chaque fois qu'il me demande quelque chose, même si ça doit me coûter, j'obéis. J'obéis. L'obéissance fait partie aussi de l'amour. Si on aime Dieu, on lui est soumis naturellement. On se soumet à lui naturellement. D'accord? Et plus on se soumet à Dieu, plus on obéit à Dieu, plus Dieu va se servir de nous. Et vous savez, il arrive des moments où, quand on marche, quand Dieu marche avec nous, quand on marche avec Dieu, il y a une telle complicité, hein, que quand tu penses à quelque chose seulement, alors que tu ne l'as pas encore prononcé, Dieu intervient. Dieu intervient. Et tu vas commencer à sentir, hein, le parfum de sainteté, le parfum de Dieu. Ceux qui t'approchent vont sentir qu'il y a une odeur, il y a un parfum qui se dégage de toi. L'amour, les fruits. Vous savez, ce parfum-là, la paix, la joie, la sainteté, l'humilité. Et les gens vont dire, ça, c'est une femme de Dieu. Cet homme est un homme de Dieu. Et Dieu va attester. Pourquoi? Parce que tu réponds à ses exigences. Parce que tu as accepté sa grâce. Et en marchant dans sa grâce, eh bien, tu vis des choses. Oh, alléluia. Et quand Dieu te révèle un défaut chez toi, tu vas plier tes genoux et lui demander grâce. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi Seigneur. Et tu vas avancer avec lui. Et du coup, quand les gens apprennent que tu arrives quelque part, ce n'est pas forcément de l'idolâtrie. Les gens, ceux qui aiment le Seigneur diront, on va y aller. Les gens vont apprendre que telle sœur arrive. Ils vont venir parce que les gens voient Dieu avec toi. Il y a des frères et sœurs, personnellement, j'aime beaucoup leur compagnie, parce que quand tu les approches, tu sens Christ en eux. Tu sens qu'il y a Dieu, il marche avec Dieu. Il te donne des paroles qui t'encouragent. Il faut corriger, il corrige dans la sagesse, dans l'amour. Dieu est exigeant. Un jour, il m'a dit, tu vas jeûner pendant un an pour mon église. Ouais. Un an de jeûne. Tu ne manges que le soir. Ah oui. Et toi, quand Dieu dit arrête avec ton café, on a du mal, Seigneur, s'il te plaît. L'appel caféiné, tout ça est trop fort. Alléluia. Celui qui veut voir Dieu doit se préparer à payer le prix. Ah oui. Alléluia. Tu dois payer le prix. Un an. Je voyais le manioc passer devant moi comme ça. Je voyais les entrecôtes passer devant moi à midi. Et toi, tu es là en prière. Seigneur, sauve les pasteurs. Sauve l'église. Sauve les églises. Touche les églises. Seigneur, sauve. Au mois de septembre, j'étais vraiment KO. J'ai dit, Seigneur, je fais une petite pause parce que là, j'en peux plus. Là. Comme il nous aime, il a permis. Ah oui. Parfois, tu t'apprêtes à manger. Dieu dit, arrête, ne mange pas. Prie. Alors que tout est préparé, hein, tout est sur la table. Il dit, va prier. Les gens te prennent pour un fou.
tu arrêtes là, tu sors de la table et tu vas te mettre à genoux. Quand cette onction s'en va, là maintenant tu peux aller manger. Qui a déjà vécu cela? Alléluia! Un jour, une femme m'a tellement blessé. Dieu m'a dit, tu vas aller chez elle lui demander pardon. Je lui ai dit, Seigneur, c'est elle qui a commencé. Il dit, je sais. Tu vas aller chez elle, tu vas prendre tes jambes, tu vas aller chez elle et tu vas demander pardon. Il dit, ça, c'est pas Dieu. Mais vous savez, quand c'est le Seigneur, il ne te laisse pas tranquille. Il te serre. Aïe, 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 aïe. Mais Seigneur, Seigneur! Là, on sort des versets bibliques au Seigneur. Seigneur, tu as dit, il dit, je sais, c'est ma parole, mais tu l'as mal interprété. Tu vas y aller. C'est moi. Pardon. Elle était tellement choquée. Tellement choquée. Qui a du mal à pardonner? Qui a du mal à oublier? Qui se met de temps à autre en colère contre Dieu? Écoutez, pour finir, ne pensez pas que Dieu cherche des hommes parfaits. Non, pas du tout. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, parfaites. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent simplement lui obéir. D'accord? C'est tout. Il cherche des hommes et des femmes qui veulent se soumettre à sa parole. C'est lui qui nous rend parfaits. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui nous transforme. Mais par contre, nous devons lui dire tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Il le sait, mais il veut que nous le lui disions. D'accord? Que nous reconnaissons que nous avons des problèmes, que nous avons des failles. Parfois, c'est l'intellect. On doute parce qu'on a tellement étudié qu'on a commencé à raisonner avec Dieu. On ne raisonne pas. C'est vrai que la foi n'exclut pas la raison, mais Dieu, si on veut marcher avec lui, il faut être malléable. Et on a besoin de son aide. J'arrive, ma sœur. Ne cherchez pas à faire des choses par vous-même. Vous ne réussirez jamais. Ne faites pas les choses comme les autres. Chacun doit avoir sa particularité. C'est ça le royaume. D'accord? N'imitez pas les autres. C'est une grosse erreur. Faites ce que Dieu vous dit à vous, ce qu'il vous révèle. D'accord? Et prêchez ce que vous vivez. Vivez ce que vous prêchez. D'accord? C'est vraiment important. Si aujourd'hui je peux prêcher la gratuité, ce n'est pas parce que je l'ai seulement lu dans la Bible, mais c'est parce que aussi je l'expérimente. Celui qui ne l'a pas encore expérimenté et qui va commencer à vouloir le prêcher, à un moment donné, il va être coincé. Il va retourner dans ce qu'il a vomi. Et c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on voit ici et là. Ils ont prêché par rapport à Chora, mais ils n'ont pas prêché par rapport à leur propre expérience. C'est pourquoi certaines choses, il ne faut pas les prêcher si on ne les a pas encore expérimentées. L'évangile, c'est le fait de vivre des choses et de les prêcher par l'ensuite. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas là. Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des disciples. Nous vivons, nous voyons. Jean disait, nous ne pouvons ne pas prêcher, ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Je vois comment Dieu peut guérir. Donc, je peux parler de la guérison. Parce que ça fait plus de 22 ans, comme je le témoigne, 23 ans aujourd'hui, que je ne suis pas allé voir un médecin, aucun médecin. Et je dis au Seigneur jusqu'à ma mort. Et je vois comment il me guérit. Donc, quand je vois Dieu guérir des sidéens, des cancéreux, je suis choqué, étonné, bien sûr, parce qu'il nous surprend toujours. Mais en même temps, c'est parce que je le vois, je vois Dieu le faire avec moi. Et je crois que le Dieu de la Bible est capable de faire disparaître ta maladie. Je le crois, parce que je le vois. Je crois que le Dieu de la Bible peut transformer tellement ton couple au point où, au travers de ton mari et toi, des milliers de couples soient gagnés dans son royaume. Je le crois, mon frère, ma sœur.
mais il faut passer par la souffrance. Le feu. Pour purifier ta vie. Quand j'ai un problème de santé, je plie les genoux, je vous assure, frères et sœurs, la nuit, soit un ange qui vient et il me nettoie. Le matin, je me lève, il n'y a plus rien. Soit le Seigneur lui-même vient et touche à l'endroit où j'ai mal, où j'avais mal, et la douleur s'en va. C'est impressionnant. Parfois, il te donne des... Il veille tellement sur nous que je crois tout ce que la Bible dit. Je crois. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, je le crois, frères et sœurs. Je crois aussi que parce qu'il t'a appelé, tu vas faire une œuvre parfaite. Une œuvre qui va tellement honorer son nom que les ennemis, tes ennemis seront confondus, confus au nom de Yeshua. Je crois qu'aucune maladie ne peut résister au nom de Yeshua. Je le crois. Une femme en Allemagne est venue quand on était à Bonn, il n'y a pas longtemps. Elle est allée voir, elle avait des douleurs, elle est partie à l'hôpital. Son médecin lui dit, tous tes organes sont morts, pourris. Tout était abîmé. Et ce médecin lui dit, tu vas aller à la... Hein, dans une maison de repos, hein, pour voilà, attendre ta mort. Voilà. Donc, voilà. Et on l'a amenée au programme qu'on avait organisé. Je ne la connais pas. Elle se présentait devant moi. Dieu m'a dit, elle meurt. Dis-lui, tout est réglé. Je ne l'ai jamais vue. Je lui dis de la part du Seigneur, Dieu me dit que tout est réglé. C'est fini, tout est parti. Elle est allée voir ce médecin. Ce médecin lui dira, bon, on va quand même faire un dernier test, examen. Et cet homme allemand, médecin, il a crié, waouh, tout est redevenu normal. Tout a été remplacé à l'intérieur. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux te dire une chose. Dieu est tellement exigeant qu'il veut te donner la santé. Avec ce message qu'il nous a donné pour gagner les âmes, pour sauver des vies, alors qu'il revient, frère, il va nous donner et il nous donne la santé, et je le crois. Il va donner la santé à vos enfants, à vos maris, à vos femmes, à vos parents. Je le crois. Et on voit des frères et sœurs qui prient pour les malades et Dieu les guérit. Des frères sont allés, on m'a témoigné de cela hier soir, des frères de Paris, des jeunes sont allés à Marseille pour évangéliser. Ils arrivent là-bas, ils priaient pour les gens dehors. Et une femme qui passait comme ça, une Française, elle était malade, condamnée. Elle avait sa ceinture à cause de cette douleur au niveau du dos. Païenne, hein? Elle demande au frère, est-ce que votre Dieu peut me guérir? Ils lui ont dit, oui. Ils lui ont imposé les mains au nom de Yeshua. Dehors, le feu est tombé sur elle. Et puis, ils lui ont dit, enlevez votre ceinture. Elle a enlevé sa ceinture et elle a fait des mouvements, il n'y avait plus rien. Elle leur a dit, venez chez moi, ma maman est malade. Elle a couru chez sa mère. Elle a dit, maman, c'est une femme riche, hein? Maman, il y a une guérisseur là-bas, là. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Sa maman a dit, amène-les-moi ce homme-là. Parce que les médecins sont limités. Mais notre Dieu, alléluia! Oh, Dieu d'Israël. Waouh! Jésus-Christ de Nazareth. L'exigence de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait un homme parfait. Il fallait un homme saint. Il fallait un homme pur. Et Dieu est devenu homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth, frère. Vous avez vu ses yeux? Vous avez vu sa démarche? Vous avez vu? Oh, c'est l'excellence. Tout est excellent en lui. Tout est excellent chez lui. Frère, il guérit les malades par de simples paroles. Dis seulement un mot. Aujourd'hui, il dira seulement un mot. Une seule parole. Ils arrivent chez la dame, là, ils prient pour elle. Guérison en direct. La dame sort son chéquier. Je fais que ça coûte combien? Le frère dit, c'est gratuit. Si tu veux faire un don, fais un don à TV de vie. Ils ont laissé la carte de TV de vie. Ils sont partis, frères et sœurs. Le réveil est là. Le feu du réveil. Alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Je crois, mes amis, je crois que Dieu va se servir de vous de plus en plus. Je crois que vous allez prier pour les malades. Dieu va les sauver, les guérir. Je crois que les aveugles vont voir au travers de la prière. Oh, alléluia.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas tellement te sanctifier que quand tu vas commencer à prier pour ta nation, Dieu va commencer à se lever, à se manifester. Je crois que l'autorité apostolique va de plus en plus t'accompagner. Je crois qu'une onction prophétique va de plus en plus te saisir. De plus en plus, tu seras comme Jean-Baptiste. Tu seras un homme solitaire, une femme solitaire. Je crois. Je crois. Je crois. Qu'il y a des hommes et des femmes, tellement que Dieu exige d'eux la prière, la consécration, tellement que Dieu les brise. Quand ils vont parler, Dieu va, alléluia, glorifier son nom. Dieu dit, j'accomplis ce qu'annoncent mes envoyés. J'accomplis la parole de mes serviteurs. Élie dira à Akab, oh alléluia, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Il arrive à un moment donné, Dieu, après que Dieu était tellement brisé, que quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parlait automatiquement. Alléluia. Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que tu es faible. Mais il veut transformer ta faiblesse en force. Il veut que tu t'appuies sur sa force, femme. Il veut que tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Seigneur de gloire. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Toi qui veux te sanctifier encore, aucun sorcier ne peut t'atteindre, aucun franc-maçon ne peut se lever contre toi. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de le séjour des morts ne peuvent rien contre elle. Parce que Dieu est exigeant, il exige de toi, alléluia, la réussite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu veut que tu fasses des exploits. Dans l'évangélisation, il veut que tu gagnes des âmes pour son royaume. Non pour les églises, mais pour son royaume. Avec l'autorité qu'il t'a donnée, il veut que tu pries pour les sidéiens, pour les cancéreux. Il veut que tu pries pour des pasteurs. Dieu veut sauver des églises. Dieu veut sauver des apôtres. Il veut délivrer des prophètes. Par toi, Dieu veut amener le feu du réveil. Oh, Saint-Esprit, merci. Ne regarde plus à tes échecs, à ton passé. Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi aujourd'hui. Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi aujourd'hui. Ton passé est réglé, ton passé est passé. Aujourd'hui, Dieu veut marcher de nouveau avec toi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton problème, Dieu dit, je peux. Si toi tu veux, je peux te changer. Je peux te changer. Pendant que Babylone se met en place, pendant que les prophètes de Baal sont de plus en plus suscités par le diable, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Job disait, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et voilà pourquoi Dieu appelle aussi des hommes et des femmes qui sont consacrés à lui, qui sont amoureux, amoureux de Jésus de Nazareth, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la méditation de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes, frères et sœurs, qui font tout selon la parole de Dieu. Jésus, je sais d'où je viens. Je sais d'où tu m'as tiré. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Deux fois je me pose tant de questions. Je me demande quelle est ma destinée. Mais toi qui m'as tiré de l'enfer, tu me conduiras. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Fais que je sois là pour toi,
que je reste en ta présence. Que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Jour après jour, j'apprends à te connaître. Malgré la ville, la souffrance et le mépris. Mais parce que je sais que tu es là, je peux encore espérer. Oui Seigneur, je veux porter ma croix. La chair est faible, mais je veux t'être fidèle. Je vais te plaire jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence. Que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence. Que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Ces paroles me viennent du cœur. Ma joie c'est que tes pleurs, mon Jésus. Fais que je te sois fidèle, mon Dieu, mon roi. Oh, 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 oh. Oh.